Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. C'est le Capitaine Kirk et Oxymose, salut. Salut. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour découvrir 10 maisons modernes absolument incroyables. On espère que ça vous plaira. Comme toujours, on compte sur vous pour exploser la barre de pouces bleus, ça nous fait super plaisir. Aujourd'hui, super défi, une vue égale, un like. Je compte sur vous pour liker un max. Bonne vidéo. Et c'est parti! Alors les amis, on a plein de maisons à découvrir, regardez, il y en a plein ici. On va commencer par celle-ci, puisque c'est la plus proche. Alors regardez un petit peu de point de vue extérieur à quoi elle ressemble. Elle est assez jolie, c'est un peu ton style, t'as vu, de build, genre comme ça. Tu vois, les trucs un peu massifs, ça peut... Ouais, ça c'est vraiment ton style, ouais, ça. Les boutons et tout. Regardez, on a une espèce de mini étang devant, c'est plutôt classe. Derrière, on a la transat, une magnifique piscine. Oh là, c'est classe, hein, regarde ça. Le jacuzzi! Le jacuzzi! Ouais, je mets dedans, vas-y. Ça c'est à moi, ça. Là, ça fait des bulles et tout. Bon, incroyable, incroyable. Ah oui, d'accord. Ah ouais, t'as un jacuzzi du pauvre quoi. Mais non, j'ai. Non, mais c'est bon, Oxymo, c'est pas grave. Si ton jacuzzi doit péter pour qu'il fasse des bulles, moi je ne juge pas, hein, je ne juge pas du tout, y'a pas de problème. Attends, juste j'ai les mobs parce que j'ai rien à faire ici. Tu fais plein de tutos de maison avec un énorme. Mais oui, c'est vraiment ton style ça en plus. Bon, alors du coup, viens, on regarde un petit peu l'intérieur. Bon, c'est un peu vide. Je crois qu'il y a qu'un étage en plus. En fait, toutes les maisons elles sont vides. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, bah, on avait déjà fait une vidéo, mais sur 10 autres maisons sur la même map. Voilà, on avait fait les 10 premières maisons et là on fait les 10 dernières de cette map. On avait dit qu'on la faisait en deux fois. Du coup, c'est sympa, il y a beaucoup d'aménagements au deuxième étage, beaucoup de place pour être aménagé, c'est sympathique. Écoute, moi je propose qu'on passe. Ah ouais? Attends, je vais aller voir. Parce que là, je suis perdu dans la maison. Attends, j'arrive, je vais passer voir un peu ce que tu vois. Ah oui, d'accord, il y a carrément une petite vache et tout. T'es sûr, c'est pas un toit juste écolo et c'est pas une partie accessible à la base? C'est juste un toit, tu sais, les toits futuristes, un peu genre, ouais, c'est ça, tu vois. Viens, on passe à la maison d'en face qui est vraiment un peu chelou. On dirait un laboratoire de recherche, t'es genre, c'est symétrique et tout. En tout cas, ça ressemble pas à une maison. Oui, voilà, ça ressemble pas à une maison, je suis. Déjà, regarde, on a deux magnifiques balcons, je passe ta vue. Il y a deux magnifiques terrasses ici, genre super classe, sur les côtés. Grande terrasse, là. Et là, au-dessus, on a encore le toit un petit peu écolo et tout. Attends, j'ai pas montré l'intérieur aux abonnés, je vais leur montrer un peu. Ah oui, c'est très vide, d'accord, oui, c'est très vide. Ça fait très bureau, tu trouves pas que ça fait bureau moderne? Non, moi j'aimerais bien, tu sais, des bureaux et tout. C'est mon entreprise, c'est ma future entreprise. Ah, ça c'est Oxymose Corp Industries. Pourquoi pas? Oxymose Corporation. Voilà. Ah ouais, du coup, on enchaîne avec cet énorme truc, mec, qui s'annonce impressionnant. Regarde ça. Ah ouais, c'est du costaud, hein. C'est du costaud. C'est plus ton style. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est plus mon style, exactement. C'est plus mon style. Des trucs carrés et tout. Ouais. C'est vrai, t'as tout à fait raison. Il y a deux styles hein, sur cette map de toute façon. Bah viens, écoute, viens, on leur montre un peu la piscine parce que tout à l'heure on fait des tours. Oh, j'adore ça. Fais voir. Ça fait des... Regarde, on a toujours fait des bandes et tout en construction un peu. C'est vrai, comme ça, j'ai jamais pensé. On a toujours fait comme ça, mais finalement, comme ça, ça rend beaucoup mieux. Enfin, au fond, quand même. Alors, tu vois là-bas. Ouais. Ça fait deux grandes bandes et elles vont pas jusqu'en haut. C'est vrai, ça donne un style. En tout cas, ces maisons, elles sont très noir et blanc. Je sais pas si t'as remarqué, c'est vraiment deux coloris. Viens, on regarde un peu l'intérieur parce que j'ai l'impression qu'il a fait un petit peu la décoration. Un tout petit peu. Ah ouais, il y a de l'eau et tout. J'ai vu un petit truc ici. Oh, c'est joli, magnifique escalier et tout. Vous avez vu l'espace qu'il y a, c'est énorme. C'est énorme. En vrai, les maisons, elles ont pas l'air grandes. Mais si vous voulez, les amis, on peut vous faire un tuto déco pour rigoler. Genre, on prend la maison, on la décore. Ça peut être un style de vidéo plutôt sympa. Avant, je faisais ça dans les anciennes vidéos. Genre on prend une grande maison et on la décore, juste pour le fun. Je te vois par la fenêtre. Attends, je remonte un peu. Oh, il y a une petite cheminée. Attends, je vais l'allumer avec un petit briquet. Attends, je rentre. Coucou. Oh là là, le voleur, regarde, il y a une petite... T'as vu? Il y a une petite cheminée ici, super classe. Hein. Oh, c'est trop bien. Par contre, attends, j'espère que ça va pas brûler. Hein. Je sais pas si la caisse brûle pour pas que ça brûle. Non, mais c'est bon. Ah ouais, il y a de la neige. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas grave, écoute. Si elle brûle, ce sera les effets collatéraux de notre passage. Allez, viens. Oh, elle est belle celle-là, mec, regarde. Ça, c'est... T'as vu, on dirait elle est sur l'eau. Ça, c'est un peu... C'est un peu mon style, mais un peu varié, genre. Bon, ouais, j'aime bien. Ouais, c'est mon style, mais en version plus poussée. C'est vrai, alors, regarde, mec, il y a la voiture de course et tout. La Formule 1 et tout rangée dans le garage. Le petit jardin en hauteur. Elle est belle. Franchement, ça, c'est vraiment une belle maison, je trouve. J'aime bien, j'aime beaucoup. En plus, regarde, tu sais, sur les côtés, regarde comme ça. Tu sais, c'est moi qui adore faire des trucs comme ça, tu sais, en ligne droite. Sauf que lui, regarde, au lieu de faire comme moi, comme ça, tu vois, il casse. Voilà, c'est ça, c'est mieux pensé, je trouve. Super bonnes idées, c'est un truc de fou. C'est vrai. Hein. Viens, on va voir un peu l'intérieur. Alors, attends, qu'est-ce qu'il a dit? Villa by Bax MC. Alors, l'intérieur est un peu petit. Petit escalier en colimaçon. Ouais, escalier en colimaçon, super bien. Attends, fait. Je suis tombé. Il a bien la rambarde. Alors, du coup, voyons voir un peu. Quel balcon, regarde. Oh, ouais. Posé. Eh, c'est classe, hein. Franchement, je l'aime bien celle-là. Pour l'instant, c'est ma préférée des 4 qu'on vient de voir. C'est ma préférée. Suivant. Oh, ouais, j'aime bien le. Oh, mec, t'as vu la clôture? Elle est géniale, elle est. Franchement, ça je vais réutiliser. Hein. Ah, ça je vais réutiliser, franchement. Un tuto clôture, les un gars. Un petit tuto clôture. Non, en vrai, elle est vraiment. Wow, magnifique les petits pignets. Ah ouais, en fait, c'est toujours relativement simple, mais ils ont des idées de fou. Tu vois, regarde Oxy, on fait jamais ça, viens voir. Ça, regarde là-dedans, genre mettre des trucs comme ça, on fait jamais. Carrément stylé en vrai. Genre, il a allié les espèces de lignes qu'on fait d'habitude avec. Ah, j'y penserais, franchement. Il a tout fusionné. C'est cool. Vas-y, je rentre un peu à l'intérieur. Wow, cuisine et tout. Ouais, il a fait une petite décoration, une petite cuisine.
Le salon avec un grand espace vert, plutôt sympa. Est-ce qu'on peut descendre juste ici? Il y a un ascenseur. C'est un ascenseur ça, tu crois? Non. Ouais. Non, c'est t'es non sûr? Bah, je pense que ouais. Bon, écoute. Je sais pas. J'ai l'impression d'être tout seul, mais bon. Ouais, bah si, si, regarde. Bah ouais, c'est la partie de la maison, la deuxième partie. Ah ouais. Du coup, c'est un ascenseur, je pense. Mais sinon, il n'y a pas de moyen de monter, il n'y a pas d'escalier. Donc, je pense qu'en fait, il a fait génial ça pour faire. Tu t'es fait ascenseur. Rien que le petit sous-sol ici, moi, je surkiffe. Hein. Ouais, j'aime bien la forme globale. Viens, on passe à la maison suivante. Piscine et tout. Ouais, je l'aurais montré. Oh. T'as vu les petits piliers comme alors, ça, c'est posé. C'est grave stylé. Hein. T'as vu? Alors, la maison suivante, elle est assez. Ah, c'est particulier. Bizarre, on dirait une espèce de. Je sais pas. On dirait une maison sur l'eau. Vous voyez les maisons un peu dans le futur qui veulent construire sur l'eau au milieu de l'océan. Un petit peu. Je sais pas ce que t'en dis, mais moi, c'est pas du tout mon style. Hein. J'aime pas. En fait, c'est très vitré. Genre, c'est une j'aime très grande baie vitrée. J'aime beaucoup les vitres bleues. Par contre, l'intérieur, j'adore. Viens voir l'intérieur. L'intérieur, j'adore. T'as vu l'aménagement voilà, comme ça en hauteur et tout? Mec, c'est génial. Il y a différents niveaux et tout. Et j'adore, franchement. Je trouve ça vraiment et tu cool vois, j'adore tous les matériaux qu'il a utilisés, même le quartz et tout. Je suis un grand fan de ces trois matériaux, le vert bleu, le quartz et le bois de bouleau. Mais cette maison rend moche, je... Ouais, non, l'extérieur est pas très ouf, mais l'intérieur est vraiment stylé. Genre le truc en montée comme ça, je trouve ça trop classe. Dommage, ça manque d'éclairage par contre. Hein. Ouais, mais tu sais, il a pas pensé au mec qui avait les shaders comme nous, tu sais. Alors viens voir. Ah, alors ça, c'est particulier, on dirait une espèce d'entreprise, tu sais, une espèce de fabrique. Tu sais, genre ouais, c'est pas du tout une maison, ouais, on dirait une usine, mais tu sais, une usine un peu moderne, genre. Ouais, je sais pas comment expliquer, mais on dirait un peu une usine, c'est rigolo. Y'a même pas de vitre, tu peux rentrer comme ça. Ah ouais, du coup, l'intérieur est vraiment vide à 100%. Les mecs, ils ont même pas fait de vitre. Mais moi, je vois bien, tu sais, je vois des chaînes de montage et tout à l'intérieur, je vois bien une usine. En tout cas, c'est très particulier pour une maison, ça c'est sûr. C'est pas un. Ça change de d'habitude. Oui, c'est vrai. Mais bon, bah, celle-là aussi, regarde, ça on dirait une maison téléphérique, ah, mec. Ouais. On dirait que c'est une maison qui est sur un télé, tu vois, qui est sur un téléphérique et qu'elle bouge, tu sais, sur des rampes. J'avoue. Je sais pas si alors, tu vois. Je suis désolé, mais ça, je trouve, c'est un peu des trucs. Alors, à part les poteaux qui soutiennent la maison de haut, c'est ce que je trouve vraiment excellent. J'ai l'impression que c'est une maison de débutant en fait. Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas trop mon style, et mais en fait, après, vu, c'est. Je sais pas si t'as vu, mais la maison est suspendue dans le vide. Oui, c'est ça, je te dis, c'est comme un téléphérique, regarde. On dirait que c'est une cabine géante qui est tirée par les trucs du dessus, tu vois. C'est ouais, ça, ça l'effet c'est de style. C'est ingénieux, ça. Après, il s'est pas cassé la tête sur les murs, ça, je suis d'accord. Au niveau de l'architecture, franchement, c'est il a fait ça. Mais en tout cas, l'idée est originale, j'avoue, j'aime bien. Tu vois, c'est une maison en hauteur, avec un grand espace, pourquoi pas. Y a rien. Bon, du coup, allez, on enchaîne. Allez. Du coup, attends, on en a fait combien? Faut compter. On en a fait pour être exact. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous en reste 2. Très bien. Ah non, même pas. Si, 9 et 10. Si, si, c'est 2. Alors, viens, on commence par celle-ci qui est la plus proche. Oh, elle est belle. Ouais. Ah, j'aime bien. Même. Ah, oui, je me suis dit. Ouais. C'est un peu mon style. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu mon style. Il faut vraiment regarder les vidéos de Captain et mes vidéos pour différencier les styles. Lui, c'est plutôt des trucs assez carrés et tout. Ouais, c'est les enchaînements de rectangles en fait. Alors qu'Oximos, ouais, c'est plus. Je sais pas comment c'est expliquer. C'est des blocs qui s'emboîtent, moi. C'est ça. Du coup, maintenant, l'intérieur est spacieux. Hein. Il y a de la place, hein. Le garage et tout. Ça donne vraiment envie de décorer. J'ai envie de décorer cet espace et tout, tu vois. Genre. Tu dis c'est trop vide. C'est trop vide. Genre, il faut rajouter des trucs. Ouais, on voit. L'escalier n'est même pas terminé. L'escalier n'est pas terminé. Des cuisines et tout. Ouais, c'est ça, genre. On pourrait faire épisode par épisode. Tu sais, on fait genre deux pièces par deux pièces. Et à chaque fois, là, jusqu'à ce que la maison donne un résultat vraiment cool. Oh, regarde, un peu de redstone. Viens voir. Go, ça se transforme en maison ultra sécurisée. Tu vois? Oh ouais, regardez, un passage secret. Oh là là. Voilà les éclairages. Oh là là, quel reste incroyable. Hein. Franchement, c'est vraiment sécurisé. C'est vrai. Ça, les amis, c'est une autocritique pour ceux qui me disent que je mets le temps sécurisé partout. Alors. Ça fait villa, je trouve, non? Derrière. Oui, oui. Enfin, la maison. Ça fait vraiment villa de luxe. Eh bien, on finit sur cette magnifique, ce magnifique laboratoire du CNRS. Alors, étant Londres. L'autre maison un peu en rond et tout, j'aimais pas, alors là j'aime pas du tout, hein. Je suis désolé. Je sais pas, mais genre vraiment pour une maison, je trouve. Enfin, de maison j'aime pas, mais après c'est stylé, faut reconnaître que c'est stylé. En plus, tu vois tout et tout. C'est un peu le style d'effroi ça. Tu trouves pas que c'est style d'effroi ça, les maisons comme ça? D'effroi, il en a fait pas mal, des maisons comme ça, bien vitrées comme ça. Des maisons comme ça, effectivement. Ouais. C'est un peu son style. Il y a le style de tout le monde ici, comme ça il y a pas de jaloux. C'est le plus moderne, c'est futuriste, hein. Ouais, c'est là, on est carrément sur du 22e siècle. Mais est-ce que tu vivrais dans une maison comme ça, avec des vitres. À partout? Ah bah non, clairement pas. Mais non. À Paris. Ah non, je ne valide pas. Hein. C'est pour que tous mes voisins m'espionnent, ça ira. Et le reste, on l'avait vu la dernière fois, les amis, dans l'autre vidéo. Faut voir l'autre vidéo si vous voulez voir tout ça. Hein, parce qu'elles sont vraiment très jolies. On file si on n'a pas la flemme. Oui, on vous la mettra dans la description si on n'oublie pas. Parce que c'est ma spécialité d'oublier tout dans la description. Hein. Ouais, c'est vrai. Les 10 maisons, c'est génial. On fait un petit teaser. Regardez. Hop, on regarde pas. C'est un petit flou gaussien, tu sais. Un effet flou gaussien, tu sais, sur le montage. Voilà. Ah là là.
Bon, bah du coup les amis, c'est tout pour ces 10 maisons. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à lâcher une vue égale à like, à commenter, pas spammer notre ami Oximos dans le chat. Hein. Ouais. Voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et passer voir la chaîne d'Oximos. À plus dans les prochaines aventures. Ciao tout le monde. Salut.